tellement balé mi ya ou balé ben me parle pour opération. Qui m'appelle sur WhatsApp, un numéro de l'étranger. Ouais. Mais dis-moi, on y a mangé court depuis le Cameroun. Hey, mon oncle, quoi, l'air blé, à sol, je te sali. Ouais, ouais, tu m'appelles d'où? Kuala Lumpur. C'est où ça? En Malaisie. Eh, hey, les voyageurs, tu auras bientôt la maladie de l'avion, amour. Hey, tu viens aux nouvelles. Ouais, ouais, mon frère, le pays va couci couça. Je te dis, après les élections, le pays est transformé en film, mon frère, les péripéties, les actions, les dénouements, l'évolution des situations, car ouais, c'est grave. Après les élections, il y a eu même un candidat qui n'a pas attendu la proclamation des résultats. Niemera a proclamé les résultats. Il a proclamé ses résultats. Les gens ont dit que non, il envoie les gens dans la rue. Ah, on a envoyé les messages, les audios sur Facebook. Les gens ont parlé de tribalisme et de tout. Mais tu sais que les Camerounais sont vaccinés maintenant, comme ils ont pris les anti-guerilla. C'est le comprimé contre la guerre. Les gens ici, tout le monde aime boire et manger les poissons braisés le soir dans les rues de la joie. Donc du coup, personne n'est parti pour la guerre. Je te dis, hein, la paix règne partout. C'est obligé. Car, ouais, mais actuellement, là, tu sais, à un moment donné, les trois candidats de l'opposition, c'est-à-dire les premiers, là, donc Kamta, non, c'est Tô. Kamto, Cabral Libi et l'autre, là, Joshua Oshi, c'est vrai qu'il n'a pas les mêmes records que son précédent, hein, mais encore l'autre, papa, là. Mais, voilà, donc du coup, ils ont dit qu'il faut annuler les élections, l'amour, nous, je te dis. Hier même, il y a l'autre, quand Wito, voilà. Très tôt, il a voulu organiser une conférence de presse. Et très tôt aussi, on est venu arrêter ça. Qu'il faut d'abord nous avertir. Je te dis, jamais là. Oh, oh. Les pays, mon frère, laisse-moi alors rire avant de te dire l'autre. Hey, hey, hey. Les lions indomptables, Mounou, elles se sont fait massacrer dernièrement par les filles de la France, donc les françaises. L'équipe nationale féminine française à Mounou 4-0. Mais même un véritable, même pas véritable. Allez, ton man, bon, même un petit tir, on n'a pas tiré au goal, je te dis, jamais là. Mais je te sais pourquoi. Les rumeurs, même pas les rumeurs, une rumeur à mer, court que les côtes est arrivé le jour J, le jour du mat, avec les joueuses. Pour jouer, Hongok, 6 heures de vol, tu affrontes 90 minutes de football, voilà tout, voilà. Tu peux faire ça, vraiment, les pays s'y me dépassent. Je te dis, jamais là. Et on parlait d'instabilité, ce qui est alors instable maintenant chez nous aussi, c'est les brassards sur les bras des joueurs. Dernièrement, c'était Ngandoui qui était capitaine. Aujourd'hui, où on doit jouer avec les Malawi, c'est Choupo-Moting. Après ça sera Bassoglo, après ça sera sur Cabral Libi, après ça sera sur Joshua Oshi, je te dis. Les histoires du Cameroun, si on t'explique, tu comprends ce qu'on t'a mal expliqué. Mbalemi, dans ton ancien quartier là, Ikounou, on a attrapé un faux pasteur là-bas hier, c'était grave. Il a promis aux femmes, surtout, tu sais que ce sont les femmes qui veulent montrer qu'elles croient beaucoup en Dieu. Alors que c'est d'abord Adam qu'on a créé. Mais elles sont toujours là. Il y a les femmes qui abandonnent les foyers parce qu'elles disent que les maris sont devenus les démons. De la muraille, jamais. Quand une femme s'accroche derrière une histoire, hein, elles se sont fait escroquer. On a même les autres parce qu'elles partaient faire les séances de prière chez les pasteurs. Là. Maintenant, elles en avaient marre. Elles sont tombées sur les types. Pas molesté, amour. On a tabassé les types là. Parce qu'un faux pasteur, les gens se moquent de Dieu. Tu sais qu'à l'époque, on ne sait pas n'importe qui allait à l'église. À l'époque aussi, la majorité des gens qui allaient en boîte de nuit, c'était les païens. Mais aujourd'hui, c'est en boîte de nuit même qu'on lance les morceaux de Dieu. Quelqu'un va en boîte de nuit avec la femme de quelqu'un. Il est en train de chanter, moi je chanterai Jéhovah Hosanna. En boîte de nuit, il colle la femme de quelqu'un. D'ailleurs, même que dans les deuils, maintenant, il y a les pressions dans les églises. Toi, tu n'es plus au Cameroun depuis, il y a les choses qui se passent ici. Mon frère, demande-moi, je te dis. Je dis, grand, on est aussi en train
de préparer la conférence anglophone avec le papa Christian Touyou, un nom Toumi. Oui, oui. Donc, on espère que ça va arranger les choses. Voilà, comme tu es là-bas, hein, oncle Kwan, comme tu es là-bas, tu veux, envoie-moi une Oumer. Envoie-moi une Oumer, parce que les petites voitures, là, les routes ne sont pas bonnes. Envoie-moi une Oumer blanche, parce que comme ça, quand je vais aller au village, j'ai... Allô? Allô? Là, les goguenards à raccrocher, quand je demande Oumer, il est un faux vainqueur. Il appelle même Sir Waza. Hein? Oh, alors voilà. Njani wankumbo, what I do it? Yeah, Njani.